alors, Ibrahim hongo, venons-en à, à vos activités euh, aujourd'hui. Euh, le 20 mars dernier, vous avez inauguré la cimenterie de malbaza dans la province de tawa. quelle est l'importance de cet équipement pour l'économie du niger? qu'est-ce que vous avez monté précisément? alors, cette cimenterie, euh, je, je disais que euh, elle, elle répond a un besoin énorme, et mais surtout elle corrige une anomalie, pour moi une anomalie économique, que parfois j'ai qualifié d'incongruité économique. Pourquoi Parce que le Niger est l'un des rares pays, rarissime pays à disposer de toutes les matières premières euh, nécessaires à la fabrication du ciment. Calcaire, argile, gypse, etc. Gypse surtout, mais parce que c'est un, une matière première qui est très rare, euh, qui est disponible, qui est très rarement disponible dans nos, dans nos pays. Et le Niger est le seul pays qui réunit toutes ces matières premières dans son sous-sol et qui peut donc fabriquer du ciment sans avoir besoin d'importer une quelconque matière première. Et jusqu'à euh, l'avènement de cette euh, cimenterie qu'on a, qu a inaugurée euh, le 20 mars, il n'y avait pas de cimenterie moderne. Il y avait bien sûr une ancienne cimenterie, mais qui a été construite dans les années euh, 60, 70, qui était complètement dépassée, obsolète, etc. Et le Niger, donc, importait la quasi-totalité du ciment dont il avait besoin pour construire ses infrastructures, ses habitations <coughs> et tout ce qu'il faut, de l'extérieur. De, de quel pays euh, bon, Des pays voisins du Togo, du Bénin, du Nigeria également. Donc c'est euh, le milliardaire d'Angoté qui fournissait le ciment euh, au, au Niger Oui, qui fournissait entre autres fournisseurs, qui fournissaient également le ciment au, au Niger, parce que bon, il n'y avait pas d'industrie locale. Et pour nous, il fallait corriger cette anomalie. C'est qu'on rapporte. Au Niger, c'est déjà de pouvoir se passer de cette importation qui coûte environ 100 milliards. Chaque année, les Nigériens exportent 100 milliards pour acheter du ciment. donc milliards de francs CFA. Enrichir donc des sociétés extérieures qui n'emploie ne, pas forcément... Euh, Ça fait 150 des, des... millions d'euros. 150 près. millions d'euros, oui. euh, qui n'emploie pas euh, des, des, des Nigériens, et qui ne payent pas beaucoup d'impôts non plus. Et il fallait, je pense, corriger cette anomalie. Surtout qu'on avait toutes les matières premières nécessaires. Donc c'était un véritable challenge, c'était un défi, et il fallait absolument à tout prix doter le Niger d'une industrie comme celle-là, parce que le ciment est quand même un produit absolument stratégique aujourd'hui pour construire nos pays.